Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'AdSense. Tous les utilisateurs d'AdSense ont une fois, ou certains d'entre eux, beaucoup d'entre eux ont raconté ce problème, c'est le problème de validation du compte. Vous savez, pour que votre compte AdSense soit validé, il faut qu'il vous envoie un code par la poste, code que vous devrez entrer au niveau de votre compte AdSense. Mais malheureusement pour beaucoup de pays, surtout chez nous ici en Afrique, les services postaux ne sont pas ce qu'ils sont, ou plutôt sont ce qu'ils sont, ne sont pas trop performants, pas au top. Donc il arrive très souvent que vous ne recevez jamais ce code. Et vous n'avez jamais la possibilité de demander jusqu'à 4 codes, pas plus. C'est-à-dire, vous demandez un code, vous l'attendez quelques semaines, si vous ne recevez pas, Google AdSense vous donne la possibilité d'en redemander un nouveau, encore si vous ne recevez pas, un troisième, un quatrième. Au bout de 4 codes, si vous ne les avez pas reçus, AdSense, par exemple, si vous avez votre chaîne qui est monétisée sur YouTube, AdSense bloque la monétisation parce que votre compte AdSense ne répond pas aux critères, n'est pas validé. Et si vous avez des applications ou un site web qui diffuse des annonces qui sont reversées ensuite sur AdSense, tout est bloqué parce que votre AdSense n'est pas validé. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment passer cette validation. Même si vous ne recevez pas ce code, il y a une alternative pour pouvoir valider votre compte. Pour cela, il faut d'abord que vous ayez essayé toutes les 4 tentatives, c'est-à-dire que vous avez demandé à Google de vous renvoyer les codes à 4 reprises, parce que c'est le même code qu'ils envoient. Si vous ne recevez pas une fois, ils envoient le même code. Donc, entre-temps, si vous recevez le premier code et le second arrive, c'est le même code. Ce n'est pas parce qu'ils ont envoyé un second que quand vous recevrez le premier, ça ne va pas marcher. C'est le même code. Donc, il faut que vous ayez épuisé les 4 recours, c'est-à-dire que vous avez demandé 4 codes que vous n'avez pas reçus. Après ça, vous avez à patienter quelques semaines, environ 1 mois, 2 mois, 6 semaines environ. Ensuite, après ces 6 semaines, vous ne pouvez plus demander de code, mais vous pouvez valider avec votre pièce d'identité. Une pièce d'identité. Donc, on se retrouve de l'autre côté juste après ça pour voir ensemble sur l'écran comment ça fonctionne. Je sais que vous êtes très nombreux à rencontrer ce problème AdSense où le code n'est pas, vous n'avez pas reçu votre code par courrier postal. Comme vous voyez ici pour moi depuis le 7 juin, je ne l'ai pas reçu. Donc je vais vous montrer si vous avez 3 tentatives d'envoi de code qui ne vous sont pas parvenues, comment vous pouvez valider votre adresse sans passer par le code. Donc on va cliquer là sur valider. Vous voyez, il vous reste 3 tentatives, mais en fait, il ne reste qu'une tentative. Parce que quand j'essaie de renvoyer un dit, vous ne pouvez pas demander un nouveau. Vous ne pouvez demander un nouveau que toutes les 3 semaines. Vous avez déjà demandé un nouveau code. Et comme vous l'avez vu sur la page précédente, le dernier, je l'ai demandé le 7 juin. Donc, depuis le 7 juin à ce jour, le 14 mai, ça fait beaucoup plus de 3 semaines. Donc, on ne peut pas recevoir notre code parce qu'il l'a envoyé. Pour les 3 tentatives, on ne l'a pas reçu. Donc, pour valider, on va essayer d'en savoir plus. Il nous affiche une page d'aide, 200 tout en bas. Et il y a un outil de dépannage ici, un lien vers l'outil de dépannage que nous allons utiliser. Ok, il demande bien de confirmer que c'est notre mail. On dit oui, c'est bien l'adresse. Continuer. Avez-vous reçu votre code? Non, on n'a pas reçu. Ensuite, on dit, après vérification, il semble que vous avez demandé 4 codes, donc le maximum. Dans cette situation, notre équipe peut vous aider à valider votre code. Veuillez contacter directement via ce formulaire. Donc, on clique sur ce lien pour avoir accès au formulaire. Ici, on remplit nos informations. Référence éditeur, on le trouve ici.
Ça, c'est notre référence éditeur, il est là. Il est aussi dans la barre d'adresse ici, je vais le copier. Je le mets ici. Il nous demande de fournir une pièce d'identité. Croiser ça ici. Je l'ai mis dans la corbeille. Notre pièce d'identité, elle est là. Ensuite, il nous demande de fournir notre nom. Je vais et enfin, on clique sur envoyer. On a cliqué très tôt sur envoyer avant que le fichier ne finisse de se charger, c'est ce qui retardait le truc là. Donc là, on a le fichier qui est chargé. J'espère que ça va aller. Ok. Votre formulaire a bien été envoyé aux éditeurs AdSense. Donc, ils vont nous répondre dans un délai de 24 heures. Ou maximum 48 heures comme celui-ci. Donc on a notre mail là, je viens de recevoir la réponse d'AdSense. On va ouvrir le mail ensemble. Ça c'était le premier mail d'il y a 2 minutes. Ok, on a la réponse qu'on voulait. Merci de nous avoir fait parvenir votre pièce d'identité. Nous avons le plaisir de vous informer qu'on répond aux exigences AdSense en matière de validation d'adresse. Donc notre adresse est enfin validée. On peut monétiser notre chaîne YouTube ou notre site sans aucun problème. Donc, une fois qu'on retourne sur notre compte AdSense, on ne voit plus le petit truc qui disait de valider. Donc, notre compte est entièrement validé et prêt à l'emploi. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et vous aura servi. Si tel est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir des notifications pour les prochaines vidéos. Je vous remercie. Ciao à tous.